Alors c'est une ferme pédagogique comprenant une partie agricole avec du maraîchage et des animaux et une partie loisirs avec des jeux pour toute la famille, des tables de pique-nique où les gens peuvent pique-niquer, auxquelles je propose des activités manuelles, des sensibilisation à la nature, recyclage d'objets. On reçoit des particuliers sur les week-ends, donc familles, enfants et parents ou grands-parents. Et on reçoit en semaine des groupes qui vont de la crèche à la maison de retraite en passant par des instituts spécialisés, des écoles, des centres de loisirs. L'ouverture au public, c'est ouvert toute la journée. Les gens viennent en visite libre et participent aux activités s'ils sont là et s'ils le souhaitent. Pour la semaine, c'est sur réservation pour les groupes. Donc ils me contactent, on convient d'une journée, des activités qu'ils veulent faire en fonction de leur programme, de l'âge des participants. Pour les particuliers, c'est gratuit pour les moins de 3 ans, 3, 12 ans, 4 euros, 5,50 euros pour les plus de 12 ans. Pour les groupes, ça démarre à 90 euros et voilà, après ça fonctionne au forfait. Alors on a commencé le 19 mars 2017, donc il y a un an et demi, on commence à se faire connaître. Le projet se développe bien et nous avons un bon réseau de partenaires qui sont présents aujourd'hui, donc on en est très fiers. Mon mari a une partie agricole, donc où il vend sa production au niveau des légumes, les petits animaux d'ornement et de compagnie, des lapins, des cochons d'Inde, des petites poules. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est commercial, donc avec la partie la ferme de Thiavanne, où je reçois les groupes et les particuliers. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir plusieurs stands à visée sociale et environnementale pour sensibiliser le grand public, les aider dans leur démarche. Et voilà, donc je les remercie beaucoup d'être venus.